Good morning, Aïden. Les titres aujourd'hui, le Lunishmat Avram Chaï Norbert Ben Fortuné Mazal, Yedida Bat Esther, Chaya Bat Tova, Chamim Ben Rosa. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah Profité à la 5e minute éternelle, nous étudions Masechet Bechorot, Perikret, Mishnah Hei, Shtei Nashim, Shel Shnei Anashim, Shelo Bikru, Veyaldu, Shnei Zecharim. Zenotan Chamesh Slaim la Kohen, Vezenotan Chamesh Slaim la Kohen. Met Echad Mehen Betoch Shloshim Yom. אם לכהן אחד נתנו, יחזיר להן חמש סלעים. אם לשני כהנים נתנו, אין אני יכולה להוציא מידם. זכר ונקבה, האבות פטורין, והבן חייב לדעות את עצמו. שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום. On continue à parler dans notre Mishnah des cas de doute dans le Pidyon HaBen. La Mishnah montre dans tous les cas de figure possibles. On parle à présent qu'il y avait Shtei Nashim Shel Shnei Anashim. Il y avait deux femmes qui étaient chacune à un homme différent. Donc, on se trouvait à l'hôpital en train d'accoucher en même temps. Reuven avec sa femme et Shimon avec sa femme. D'accord ? Seulement, il n'y avait pas de place, donc ils les ont mis dans la même pièce. Et puis après, on a embrouillé les enfants, on ne sait pas qui est le fils de qui. D'accord ? Donc du coup, on va parler, comment on va se conduire en cas de doute. Alors la Mishnah m'enseigne comme ça. Shtei Nashim Shel Shnei Anashim. Deux femmes qui étaient à deux hommes. C'est-à-dire, c'est pas un homme qui avait deux femmes. Si c'est un homme qui avait deux femmes, c'est encore différent. On l'a évoqué, je crois. Et. Ouais, c'était le cas précédent, la Mishnah d'Alef. Et donc maintenant, on parle donc qu'il y avait deux femmes qui étaient à deux hommes différents. Shelo Bikru, qui n'ont jamais accouché. Jusqu'à maintenant, donc c'est l'ouverture de la matrice. Et Yaldou, Shnei Zecharim. Et ces deux femmes ont accouché chacune un garçon. Donc en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas qui est le fils de qui. Il va bien falloir se partager. On va donner un à un et l'autre à l'autre. Et on fera attention quand ils se marient, quand ils grandiront, à ne pas se marier avec la sœur de l'autre, parce que peut-être c'est sa sœur, tout ça, d'accord. Mais en tout cas, de manière générale, il va bien falloir se décider. Maximum, ce sera un enfant adopté. D'accord ? Mais dans le doute, par rapport à la halakha du Pidyon HaBen, qu'est-ce qu'on fera ? Alors dans le doute, chacun il devra payer 5 slimes, parce que quand Reuven il va prendre un enfant, de deux choses l'une, soit c'est le sien, soit le sien il est là-bas, donc il a quoi qu'il arrive, il a le devoir de payer 5 slimes, ok ? Et idem pour l'autre. Donc Zenotan Chamesh Slime la Kohen, l'un devra donner 5 Sela au Kohen, Zenotan Chamesh Slime la Kohen, et l'autre devra donner aussi 5 Sela, 5 pièces d'argent au Kohen. D'accord ? Pour le moment, tout va bien. Nouveau cas de figure à présent, c'est que Met, une fois qu'on s'est partagé les enfants, donc un il a pris un, l'autre il a pris l'autre, on était encore dans les deux premières semaines, et il s'est passé qu'ils ont déjà donné le Pidyon HaBen au Kohen alors qu'ils n'ont pas patienté 30 jours. La Torah a insisté, comme on a déjà dit, Ufdu Yav, Miven Chodesh, et qu'il faut faire le Pidyon HaBen à partir de 30 jours. Tant qu'on n'a pas passé les 30 jours, l'enfant n'est pas encore viable, on n'est pas encore sûr qu'il va vivre. Et de ce fait, s'il meurt dans les 30 jours et qu'il avait déjà donné l'argent, la Kohen devrait lui rendre l'argent. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va parler donc du cas de figure où il y avait les deux pères. Et dans le doute, chacun il a donné 5 slaïm au Kohen avant les 30 jours. Après, il y a un enfant des deux qui est mort. Qu'est-ce qu'on fera ? Alors la Mishnah m'enseigne comme ça. Met echad mehen betor shloshim yom. Im le Kohen echad natnu yachzir lehen chamesh slaïm. D'abord, on traduit, après on fait un peu d'ordre. Donc, il y a eu Met et Chadmen, il y a eu un enfant qui est mort, Betor Shloshim Yom, pendant les 30 jours. Im le Kohen et Chad Natnu, si les deux pères avaient donné au même Kohen, Yachzir Lahen Chamesh Selaim. Le Kohen devra leur rendre 5 Sela. Par contre, Im Lishne Kohanim Natnu, si ils ont donné chacun un Kohen différent, alors, ils ne pourront pas refaire sortir de ses mains quoi que ce soit. Et on explique un petit peu mieux. Il y avait Reuven et Shimon, donc les deux pères. Dans le doute, ils se sont partagés les enfants. Au bout d'une semaine, deux semaines, avant de patienter les 30 jours, ils ont déjà donné au Kohen. Maintenant, on va commencer avec le deuxième cas, parce que c'est plus facile ensuite de lui pour remonter sur le premier. On a donné à chacun un Kohen. Un, il a donné à Kohen Aleph, et l'autre, il a donné à Kohen Bet. Après, il y a un enfant qui est décédé. Donc maintenant, il y a un Kohen qui a pris de l'argent en trop. Mais quel Kohen a pris de l'argent qui n'allait pas ? Celui qui a reçu de Reuven ou celui qui a reçu de Shimon ? On ne peut pas savoir. Parce que
Peut-être que, puisque chacun, personne ne sait qui était réellement son vrai fils, alors chacun il va prétendre, maintenant, moi, quand tu m'as donné l'argent d'un enfant viable, peut-être que cet enfant il est encore en vie. Et que finalement c'est l'autre qui est mort. Et l'autre, Cohen, il va dire la même chose. Peut-être que ce qu'il a reçu, c'est lui, l'enfant en vie. Donc dans le doute, on a la grande règle. Amosim Chavero, ala avaraya, celui qui va faire sortir l'argent de son prochain, il doit apporter la preuve. En l'occurrence, c'est le père qui doit apporter la preuve quel est son fils. Que c'est réellement son fils qui est mort. Pour le moment, on ne sait pas. Donc il ne pourra pas récupérer l'argent. Ça, c'est le deuxième cas de la Mishnah, que Nishne Kohanim Natnu. S'ils ont donné à deux Kohanim. Par contre, Imle Kohen Echad Natnu. S'ils ont donné les deux au même Kohen, c'est-à-dire il y avait là-bas le monsieur Kohen, et qui était. Donc du coup, ils ont donné chacun les 5 slaïms au Kohen. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, ce Kohen, il a reçu 10 slaïms pour deux enfants, mais il y a un des deux enfants où il doit rendre l'argent. Donc lui, il devra rendre l'argent. On ne sait pas à qui. Alors sur ça, il y a deux précisions à porter. D'abord, on ne sait pas à qui c'est vrai, mais il va le rendre aux deux, il va le rendre les 5, et on se partage ensuite. 2,5, 2,5. Pour le moment, c'est logique. Mais précision importante. Il va leur donner 2,5, 2,5 à condition qu'ils ont écrit une dérogation. C'est-à-dire qu'il y avait en fait les pères. Il y avait Réhouven et Shimon. Chacun, ils ont donné 5 slaïms au Cohen. Pour pouvoir récupérer les 5 slaïms, il faut nécessairement qu'il y en ait un qui vienne avec la dérogation de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, quand Réhouven va venir, il va dire « Moi, je viens en tant qu'envoyé de Shimon. Comme ça, de deux choses l'une, tu me rends à moi. Mais si moi, je viens, et si Réhouven vient, il réclame de par lui-même. » Alors, M. Cohen va lui dire, non, pas du tout. Son fils à lui, c'est celui qui est encore vivant. L'autre, ton fils, c'est celui qui est vivant. Et moi, je ne dois pas te rendre, puisque toi, ton fils, il est encore vivant. Même si ce n'est pas celui qui est resté dans tes mains, c'est l'autre qui est resté chez l'autre. Mais réellement, c'est peut-être ton fils. Donc, dans d'autres, il ne pourra pas avoir de l'argent. Jusqu'à qu'ils vont écrire, donc, cette harsha'a. OK ? C'est comme à la banque, quand on écrit sur une dérogation. Hein, qui écrit que maintenant, je te donne plein pouvoir pour agir dans mon compte. Ok, maintenant, suite de la Mishnah. On continue avec, donc, salle d'attente de l'hôpital. Il y a eu un garçon et une fille qui est née. C'était le gros enthousiasme. On appelle dans le voir quelle femme a accouché le garçon, quelle femme a accouché le petit. Il y a eu une urgence, il a fallu courir très vite pour apporter de l'oxygène ou peu importe. Finalement, en inversant, on n'a pas fait attention qui a accouché le garçon, qui a accouché la fille. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Zacharon Kevaz, il y a eu un garçon et une fille. Alors bon, je ne sais pas comment concrètement on va se partager. Ouais. Chacun va vouloir élever le garçon ou élever la fille. Comment on va faire? Bonne question, j'en sais rien. C'est pas le sujet de la Mishnah. Le premier Mishnah, il est du côté économique de l'histoire, de payer le pidyon haben. Alors la Mishnah enseigne, à votre tourine, les pères seront dispensés. Parce que même s'il y a réellement un garçon, c'est vrai qu'il y a un garçon. Mais comment tu peux me réclamer à moi que je donne pour mon fils, peut-être que moi j'ai eu la fille. Et l'autre, idem. Même si concrètement le Beddin va trancher, il va dire bon toi tu as élevé le garçon, toi tu as élevé la fille parce qu'on va pas rester comme ça. Malgré tout, même celui qui va prendre le garçon, c'est pas sûr que c'est son fils, peut-être que vraiment son fils, il a pas de fils, peut-être que c'est la fille, c'est sa fille. D'accord? Donc dans le doute, on pourra pas réclamer au père. Mais quoi? Mais à Ben, il a venu dans tes tâtements. Et quand le garçon, il va grandir, il va atteindre ses 13 ans, et ben il fera son pidyon à Ben personnel. C'est une halakha, ça, c'est écrit dans la Mishnah Kedushin, que. Un pidyon haben que son père ne lui a pas fait le pidyon, alors il devra se le faire à lui-même. C'est d'ailleurs fréquent, entre parenthèses, si vous en connaissez, ben, pensez à la question. Si toutefois, il y a eu, c'est fréquent chez les balais de chouva. Si c'est des balais de chouva qui reviennent de très loin. Alors ça arrive que par exemple, le père il a fait le brit mila parce que c'était encore connu que les juifs ont le brit mila. Mais après, c'est quoi celui du pidyon haben, racheter un enfant, quoi, son fils à lui, il a pas racheté. Alors dites, ouais. Pensez en ce moment, si vous connaissez des balais de chouva qui ont fait chouva quand ils étaient tout seuls avec des parents qui n'étaient pas tellement, qui n'avaient pas tellement les principes, eh bien, dans ce cas-là, il devra peut-être faire le pidyon haben. Et donc, si son père lui a fait le pidyon haben, le fils devra le faire même quand il sera adulte. D'accord? Zacharon keva, à votre plurine, va ben chayav livdot et tatzma. Donc, s'il y avait un garçon et une fille, les enfants, les parents seront dispensés, les pères seront dispensés. Et le fils devra le faire lorsqu'il grandira. Maintenant, si toutefois il y a eu en fait Shtenekevot, Vezachar, ou Shnezacharim, ou Shtenekevot. Il y a eu en fait les pères étaient dans la salle d'attente en train de dire le Teilim, et les mères étaient en train de hurler, les pauvres, dans la salle d'accouchement. Et il y avait, après on rentre, il y a trois enfants, Mazal Tov, il y en a une qui en a accouché deux, même elle sait,
Une, qui sait, c'est qui a accouché d'eux, bien sûr, bien évidemment. Elle se souvient, elle a bien crié. Mais peut-être qu'en fait, elle a eu deux filles, et l'autre, elle a eu un garçon. C'est-à-dire, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où il y avait en tout deux filles et un garçon. Donc en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il n'y a aucun béchor dans l'histoire. Peut-être qu'il y a un béchor. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. Ouais. Peut-être qu'il y en a une qui a eu les deux filles l'une après l'autre, et l'autre, elle a eu le béchor. Peut-être qu'il y a eu une fille, et puis après, celle qui a eu une des filles, elle a eu aussi le garçon. Dans ce cas-là, il n'y a aucun béchor. Ou encore même qu'il y a eu deux Zecharim et deux Nekevot. Deux garçons et deux filles. Mais peut-être qu'il y a eu fille-garçon et fille-garçon pour l'autre. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucun béchor. Ou peut-être qu'il y a eu garçon-fille et garçon-fille. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y aura un béchor. Eh bien, de nouveau, en kan la Kohen klum, il n'y aura rien pour le Kohen. Ni les pères donneront quelque chose. Et ni les enfants, lorsqu'ils grandiront, ils n'auront non plus pas d'obligation de se payer, puisque dans le doute, quand c'est un doute, est-ce que je suis béchor, je ne dois pas payer dans le doute. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.